voici un bébé de la marque Eubach, fabrication allemande, que je dois remettre en état. Déjà, à la première vue, on voit que la perruque a un vieillissement et il est nécessaire de remettre une nouvelle. La tête est en porcelaine, le corps en carton, les bras et les jambes en composition. La composition est un mélange de silicate de potasse, de colle, de sciau de bois ou de terre fine. Il y a différentes façons, les fabricants ont chacun leur procédé. Alors ici, il y a des caillures, c'est-à-dire que une fois la jambe démoulée, elle était enduite et peinte. Alors, on voit l'épaisseur de l'écaillure qui est cassée ici, et le cœur a les usures de cavité. Il faut que je refasse les pièces manquantes. Pour remettre en état la cavité de ce cœur qui est en carton, on voit ici les deux échancrures qui ont été faites par l'élastique précédent. Je fabrique une pâte à bois avec de la sciure de bois et de la colle à bois. Bien malaxer cette sciure qui fait une pâte. On décide selon la densité en mettant plus ou moins de sciure. Et voilà, terminé pour la première opération. Nous attendons le séchage et ensuite une deuxième couche si c'est nécessaire. Et pour terminer, un raccord de peinture. J'ai mis de l'enduit pour nourrir cette partie. Et maintenant, je vais procéder en mettant de l'enduit, l'enduit gras, l'enduit qu'on utilise dans le bâtiment, dans la peinture. Alors, voici un pot sur lequel je mets une plaque de plastique pour éviter que ça s'oxyde, que l'enduit s'oxyde. Et vous, il restait bien frais. Voilà la partie que je vais utiliser. Alors, une fois que ça va avoir séché, je vais faire un ponçage au papier abrasif, très fin, et ensuite une couche d'impression de peinture pour nourrir l'enduit, et après je vais rechercher la couleur de la peau pour compléter, pour terminer la finition. Il ne faut pas hésiter à mettre les doigts lorsqu'il le faut. Là, ce sont des détériorations qui sont très minimes. Il arrive des fois, d'ailleurs, il y aura peut-être l'occasion de vous montrer, où il y a des détériorations plus importantes.